Chambol Mussigny, au domaine Amiot-Cervelle. Et avec moi, pour parler du millésime 2010, Christian Amiot. Ça va, Christian? Bonjour. Fin de journée, on est un peu fatigué. Voilà, premier jour de vendange. Premier jour de vendange, ça a démarré aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, en gros? Ce matin, bah, on a eu un temps un petit peu maussade ce matin, mais ça s'est bien arrangé dans l'après-midi, au dimanche. Première vigne qu'on a attaquée, c'est une vigne un petit peu de pourriture, c'est pour ça qu'on a fait pas mal. Ouais. Donc un peu de fil, après, dans l'ensemble, les parcelles qu'on a vendangées sont relativement saine, mais par contre avec des rendements un petit peu en dessous de ce qu'on pensait. C'est un euphémisme. Ou en dessous de ce qu'on espérait. Ouais. En tout cas, je te sais très difficile, donc quand tu parles de pourriture, c'est à mon avis un tout petit peu, parce que dans l'ensemble, l'état sanitaire est bon pour l'année qu'on a eu. On a quand même un très bel état sanitaire. On a un temps, c'est vrai, un petit peu incertain, mais pas aussi mauvais qu'on voudrait nous le dire. En tout cas, petite récolte, ouais. Mais des raisins tout petits. Petit, c'est... Pas très lourd, avec des différentes tailles de grumes qui sont un demi rangé, qui en général sont assez signes de qualité. Exactement, c'est signe de beau tanin, de belles acidités, donc mirandage, c'est on peut dire une anomalie de la vigne quand les grains sont tout petits et qui vont apporter par contre beaucoup de tanin, beaucoup de couleurs, de belles acidités. Le mirandage est souvent un signe de qualité dans le millésime. On peut dire que sur 2010, le point faible, ce sera la récolte, c'est une petite récolte. En volume, oui. En volume. Par contre, quel serait d'après toi le point fort? Qu'est-ce qui va faire que les 2010 brilleront dans les années à venir? Le point fort, c'est que je pense que ce sera des vins assez équilibrés, des vins acidité, puis un joli potentiel. En maturité, les pépins sont très jolis. Oui, je trouve aussi. Les pots sont un peu, peut-être encore un petit peu difficiles à macérer, comme ça. Au niveau de l'actualité phénomique, je pense qu'il y a une bonne chose, une bonne acidité. En tout cas, moi je suis tranquille parce qu'au domaine Amiot-Cervelle, n'ai jamais goûté une seule fois de ma vie un vin décevant. Donc moi je suis très tranquille et comme je dis toujours, rendez-vous dans 2 ans, dans la bouteille. A bientôt, Christian. À bientôt. Merci de ton accueil.